Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouveau live sur The Long Drive. Petite musique d'ambiance, histoire de s'ambiancer. Et on va continuer notre aventure. Alors, il faut que je dorme sur le sol, debout. Et tout va bien. Et ensuite, on va. J'avais fait tomber ma moto, donc faut que je la relève. Décidément. On a encore 15 litres dans la moto. Je pense que ça va, on a de quoi faire. Par contre, il faut que je la... Ouais. Faut que j'enlève tout si je veux la relever, je crois. Ouais, faut que j'enlève tout pour la relever. Ça, c'est casse-couille, ça, par contre. Voilà. En plus, sachant qu'il y a la béquille. Voilà. Ok, donc on va remettre ça. Hop. Hop. Toc. Et. Toc. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Est-ce qu'il y a... Ah, c'est vrai que j'avais mis des gigaroux sur ma moto. Ça va, il tape? Ouais, va. Aujourd'hui, je suis tout seul. Comment elle va la voiture? Elle est là. Elle est ici, notre magnifique voiture. Qui est. Pas se mentir. Qui a changé. Hop, on va remettre un petit coup. Bam. Est-ce qu'il y a d'autres trucs? On va peut-être pas mettre du blood de l'intérieur. Je veux qu'il y ait du blood là-dedans, je crois. J'ai pas mis la playlist en mode aléatoire. Voilà. Ça, on aura de tout. Hop. Alors, c'est parti. Voilà. Je crois que j'ai trouvé l'astuce. Faut que je mette et enlève la béquille pour que ça marche. En vrai, c'est trop stylé de se balader en moto. Je vais bien en profiter de ma petite virée en moto le temps qu'on trouve une vraie voiture. En fait, le plus relou, c'est que la moto elle peut se renverser facilement. Mais bon. Na 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 na. Faites pas gaffe, hein, la moto elle a des roues de voiture, mais c'est une technique, n'inquiétez pas. Ça va, c'est pas trop fort si je me mets comme ça. Je sais pas si c'est fort ou pas. Un peu fort. Voilà, ça devrait être moins fort. Donc on est à 1159 km, plus que 4000 et quelques. C'est cool. Mais avec toutes les dingueries qui nous est arrivées. Oh non. Stop l'autosave. Avec toutes les dingueries qui nous sont arrivées. Il lag le touré. Ouais, c'est ça le problème, c'est que sur certains jeux. Pardon. Sur certains jeux, j'ai un problème, c'est que ça fait laguer vécu. Je comprends pas pourquoi, mais... Je vais réduire, je vais mettre à 60 Hz, peut-être. Ça donne quoi? Ah, c'est la même merde. Ah non, c'est pas ça. En fait, c'est surtout quand... Ouais, vous voyez. C'est vraiment quand je... Quand je... Bah, pas quand je joue, quoi.
vraiment quand je joue que ça... J'hésite à me mettre en PNG to oui, mais après c'est un peu drôle. C'est une musique qui va bien avec ce qu'on fait là, on roule vite. Et les thèmes athlétiques de Mario là. Hop, change de route, pas sur une route un peu plus classique. Puis là on n'a plus qu'à laisser rouler, pas besoin de gaspiller du carburant. J'ai gaspillé que 100 ml depuis le début là. Je pense que ça va être bien cette moto pour avancer. Je sais pas combien de kilomètres j'ai fait en étant à pied. On a quand même mis deux lives avant de trouver une... Ouais. Ouais. Bah écoutez. Tout va bien. Il y a eu un autosave, j'ai dû me prendre le rocher qui est là et puis ça... Faut pas aller trop vite je crois en moto. Pris le caillou, ouais je pense que c'était le caillou là, hein, le fautif. C'est tellement random. Non, tombe pas. J'en ai marre, elle fait que tomber. Là, même le truc de vitesse, il s'est... Bon, conclusion, je pense que je roule trop vite. Allez, relève-toi. Ouais. Vas-y. Vas-y. Pesant sur la moto. Ah, j'avoue. Voyez. Allez. Allez. Chef. Allez. Ah, il est presque, hein. Je pense qu'elle est trop lourde, la moto. Ah, mais pourquoi ça bug? Voyez, YouTube bug. Arrête. Albette. Ah, je pense qu'on est bloqué. Hein. Oh, quoique. Pas bien. L'autosave qui m'a remis sur le sol. Je vais péter mon crâne. Ok. Est-ce qu'on peut repartir? Est-ce qu'on a le droit de repartir en fait? C'est la question. Ouais, c'est ça le problème de la moto, c'est que au moins de petits coups, des fois, ça part dans l'espace. Je vais baisser la qualité, je pense, de la vidéo. Là. C'est déjà au plus bas, let's go. Et je joue de la musique, il n'y a même pas d'image. Casse la tête. On va avancer doucement, surtout dans les pentes. Ah, pas besoin de se presser, il est tranquille.
en ensemble peut-être jusqu'à environ 20h, je dirais. À peu près. Pam, 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 pam. Faut que je trouve un truc pour nettoyer ma moto là. La pauvre. Ah vas-y, m'a saoulé YouTube. Mettre Spotify. Et où Spotify? Bien Spotify. Trouve un oasis, j'avoue. Si YouTube ne marche pas, peut-être que Spotify. On a des musiques de Skyrim en mode chill. Bon, bon, bon. Garde ma... Ma touche reculée enfoncée là. La marche arrière à fond, histoire de pas aller trop vite. On peut vraiment pas freiner dans les descentes hein, si besoin. Oh non. Tout va bien. Mais elle est où la musique par contre? Ah là. Il n'y a pas de musique. Maintenant il y a de la musique. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose dans ces tours là-bas? Je vais aller voir. Maintenant que j'ai un moyen de locomotion, je peux faire des petits trucs comme ça. Je peux aller voir les structures. Il y a quelque chose ici ou c'est... Rien. Ah si. On peut rentrer. Parce qu'il y a quelque chose. Grande question là. Y'a rien. Rien du tout. Bon d'accord. Non, par contre. J'ai réussi à me bloquer comme ça là? Vraiment? Vraiment? Ah là, allez. Ah, tes bêtises maintenant. C'est bien la moto, mais c'est pas pratique des fois. Hein. En tout cas, il y a des autosaves. Allez, t'y es presque. Voilà. Allez! C'est fou ça! C'est fou ça! Je n'en peux plus de la moto. Voilà. J'étais en train de dire hey, c'est bien la moto au début du live, maintenant je déteste. Voilà. Simplement. Elle est détestable cette moto. Si je peux changer de moto à un moment, je vais pas hésiter. J'ai pas une moto qui a une forme différente, peut-être un peu plus légère. J'ai pété mon crâne. Pété mon crâne, c'est pas possible. Merci beaucoup Stevie Martin pour ton follow, comment ça va?
mon crâne, c'est pas possible. Voilà, voilà. J'en peux plus. Non. Non, tiens debout, tiens debout. Ah, une moto, ça a de l'équilibre normalement. Pourquoi elle a pas d'équilibre, elle? C'est fou, ça. Là, reste là-dedans. Putain, je me retourne, elle est à terre. C'est fou, c'est fou. C'est bon. Tout va bien. Tout va pas bien, mais tout va bien. Mais par contre, la musique, elle est où? J'en peux plus, je vais changer de truc. Voilà. Voilà. J'en peux plus. Attendez, je vais vérifier un truc. Je peux modifier la fréquence d'autosave. Voilà, autosave, je désactive, ça m'a saoulé. Maintenant je ferai des save auto. Enfin, des save auto. Qu'est-ce qui se passe, Steve et Martin? Pourquoi tous ces trois petits points là? Et la moto, toi aussi, ça te met dans tous tes états, gros. Où tu vas? Au fin fond du monde, la route fait 5000 km. Et donc je dois parcourir les 5000 km. Peu importe la distance ou le moyen de locomotion, je dois les faire. Parce que c'était un donation goal d'un événement caritatif. Tu dors? Non, je dors pas la nuit. On dort pas ici. Prenne mon gars. Prenne jamais. J'en peux plus. On peut plus. Mais tiens debout. Ah, je vais me débarrasser. Pourquoi il est là, lui? Oh, mon katana, il est là. Là, voilà. Il tombe toutes les deux minutes. Ouais, j'arrive pas à bien l'utiliser. Du coup, il fait que tomber. Il fait quoi, lui? Bah, frérot. Ah, je vais pouvoir nettoyer ma voiture. Il y a des traces de sang dessus. Ma moto. Hop là. Je vais dormir aussi. J'ai passé plus de temps à essayer de la remonter que bien l'utiliser, ma voiture. Et il y a deux vannes là. Lol. Cross van. Ah, ça, en vrai, ça serait cool de prendre ça, non? Ouais, ce serait cool d'avoir ça.
Le coolant, on s'en balec. Moi, ce qui m'intéresse, c'est... À quoi elle fonctionne, cette voiture? Et où est le pot d'échappement? Ah, là. Sur le tank. Oula. Il y a tout. Tu peux même peut-être mettre ta moto dessus. Ouais, si je trouve des planchettes, comment ça s'appelle? Ça. Non, pas ça. Alors, si ça, en vrai, peut-être aussi. Ah, genre ça. Des palettes, voilà, ça s'appelle des palettes. Si je trouve des palettes, si j'en trouve au moins deux, même une, non, je peux mettre ça sur le truc et ça devrait marcher. Le problème, c'est que je ne sais pas, il faut que j'aille voir sur le wiki. Il a besoin de quel truc de carburant, ce truc? Parce que je crois que c'est un mix aussi. Et après, pour l'eau, il doit en avoir quelque part. Oui, il y a des robinets. Donc je vais aller checker sur le wiki. Hop. Wiki The Long Drive. Alors. Commercial véhicule. Je ne sais pas c'est quel genre de véhicule, mais je vais un peu tout tester, voir. Pas ça. Ah, ça c'est des véhicules normaux, je crois. Ouais. Ça c'est quoi ça? Ah, c'est peut-être ça. Ah non, c'est ça, voilà. Ok. Il a besoin de quoi pour avancer ce truc? % d'huile et 95% de pétrole. Hein, il n'y a pas de pétrole dans le jeu. Attendez, le pétrole, c'est l'équivalent à quoi? Pétrole. Ce long drive. Attendez. C'est du gasoline. Ah, mais j'ai ce qu'il faut. J'ai. En fait, il faut que j'essaye. J'ai ce qu'il faut, mais attendez. Il me faut aussi de quoi le cool, le truc. T'as mangé 110 bonbons aujourd'hui? Eh ben, ça va ton estomac. Quoique, attendez. Je suis en train de me dire. Ouais, je sais pas en fait. J'ai des idées pas très nettes, je pense. J'étais en train de me dire, et si je prenais ça et que j'enlevais les sièges à l'arrière et que je mettais ma moto à l'arrière? Mais je sens que c'est pas une bonne idée. Je sais pas pourquoi. Parce que déjà, faut la soulever, la moto. Et bon. Voilà. C'est déjà un problème. Et là, on a du gaz, de l'huile, gaz, huile. Voyons voir. Il faut 5% d'huile, je crois. Voilà, comme ça. Ok, 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 ok. Je veux pas toucher à mon réservoir pour l'instant de la moto, mais si ça marche, on va tout transférer, je pense. Bon, après, déjà, il faut que je vide celui-là parce que vas-y, il... Il a trop de choses qui vont pas, lui. Allez, vite toi. Je reprends foi en l'humanité en jouant, là. Ça y est. Mon jeu marche. Enfin, marche. Ici, j'ai l'impression de pouvoir faire des trucs. Bon, c'est qu'un litre, hein, pour l'instant. Mais en vrai... Alors, par contre, il me faut de l'eau. Wow, 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 viens là, toi. Il me faut de l'eau pour cool tout ça.
Par contre, dans les pentes, je suis pas sûr de pouvoir monter avec cette bestiole. Hein. Pas vous mentir. On va devoir improviser quoi. Il y a 69 litres d'eau. Remplir les 3 litres. J'y vais petit à petit, c'est pour pas perdre d'eau dans le gros truc, le gros réservoir là. Parce qu'il y a 69 litres, c'est pas mal. Merde, j'en ai 8 comme un con. Voilà. En vrai, j'aurais pu l'emmener directement, mais bon. Okay. Est-ce que tu démarres, mon gars? Ça démarre? Oh, ça démarre? Oh, let's go! Bon. Bon, bon, bon. Vous savez ce qu'il nous reste à faire. D'ailleurs, j'ai oublié de refermer ça comme un idiot. On va s'équiper de fou. On va faire le plein. Enfin, le plein. On va essayer de faire le plein. On va utiliser tout ce qu'on a. Ah. Mince. Je pense qu'il va falloir que j'utilise... Ouais, on va avoir un espace de stockage de fou en plus. C'est ça qui est bien. Y'a quoi là-dedans? Y'a de l'huile. Bah, parfait. On a besoin d'huile. De blood, huile. Putain, c'est bien, attendez. Attendez, attendez. On peut faire des trucs, on peut faire des trucs. Faut juste pas faire de la merde. Là, on a de l'eau, c'est parfait. Là, y'a quoi? De l'eau, de l'alcool, du diesel, de l'alcool. Déjà, toi. On a du gaz, c'est parfait. Il nous faut ça comme quantité, je crois. À peu près. Faut qu'on gère un petit peu bien notre stock de fuel. On fait des mélanges là. C'est un bar à cocktail, on fait des mélanges. Bougez pas. Hein. De l'eau. Je crois qu'il y avait du gaz à un moment. Alcool. Alcool. Et ça c'est de l'eau. Là-dedans il n'y a pas. Oh là là. C'est la remontada là. On n'avait rien et maintenant on a tout. C'est ça. C'est ça que le jeu nous dit. Là, je peux pas siphonner ça aussi. Ah bah y'a de l'eau là-dedans. Parfait. Viens là, viens là. On va le siphonner. Il faut juste qu'on gère bien nos stocks d'essence et là on va pouvoir rouler pendant des kilomètres, je pense. Et puis après on pourra toujours, si jamais notre voiture tombe en panne, on aura toujours notre cher. Hop. On aura toujours notre cher moto, juste au cas où. Limite, il faudrait que je prenne ça. On voit si je peux l'attacher correctement. Déjà faudrait que je monte la moto aussi, hein, j'y pense. Voir si je peux l'attacher. Ça se baisse? Ouais, parfait.
peux pas l'attacher. Bon, tant pis. Je vais voir ce qu'il y a en haut par contre. Ça peut être pas mal de vérifier. Si, bon, je veux bien que j'attrape la planche. Ah, c'est trop pentu. Et là. C'est pas assez pentu, voilà. Bam. L'alcool. Et là-dedans aussi, il y a des trucs. Pas que j'oublie. On va tout. On va vraiment faire de l'optimisation là. Là, on a de l'huile. Parfait. Là, il y a plein de caisses aussi. Faut que je les frappe. Palette. Là non, c'est attaché. Je crois qu'il y avait une deuxième palette. Là, voilà. Parfait. Je pense que ça va être game changer, hein, cette histoire. Alors. Non, je voulais pas la mettre là. Ah putain, tant pis. La question, oui, est-ce que je peux monter ma moto là-dessus? Ça me paraît un peu compliqué. Pas mentir. Fuck. Ah, collision. Voilà. Je peux enlever les collisions pour faire passer. Dans les... Collision off. Ah oui d'accord, je... Ah oui. Pas mal le collision on off. Pas mal. J'aime bien. J'aime bien le projet. Limite c'est peut-être mieux. Ah je sais. Faut pas que ça gêne les roues par contre. Ça gêne les roues. Ok, j'ai l'idée. Faut pas que ça gêne les roues. Du coup, on va faire un truc comme ça. Voilà, comme ça. C'est de l'architecture là, The Long Drive. Voilà. Ok. Maintenant, on va essayer de monter la moto de là-dessus. Il va pas être facile, j'imagine.
Bon, il y a 1 minute à redémarrer. Ah non, mais si elle a pas d'élan aussi. Genre, il faut que j'ai de l'élan pour faire ça. Sérieux? Tu peux pas monter comme une moto normale? Oh putain. Oh la galère. Je vais vraiment devoir abandonner. Ah non, même pas en vrai. J'ai pas besoin de l'abandonner. Faut que je la mette en pièce détachée et que je la mette. Mais oui, c'est ça, je vais la mettre en pièce détachée. On va faire comme ça. On va juste la mettre en pièce détachée. Merci beaucoup le tep. Je pars 5 minutes, c'est toujours la galère. Ouais, j'essaye de trouver un endroit où placer ça, mais ça me paraît compliqué. Ok, il y a des trucs que je peux attacher, il y a d'autres trucs que je peux pas attacher. Attacher ça? Non, ok, ça faut que ça reste sur la moto du coup. Ça va être un peu une galère, mais. Ah, mais attendez, j'ai des trucs là-dedans. Ah, voilà. Ah, je voulais pas drink. Apparemment, je vois rien. C'est de l'opti là. Là, on est full opti. Qu'il y avait des bouteilles d'huile et du gaz. Faut plus de gaz. Wow. Oh ouais. Prenez la mécanique avec Tovi. Vous serez pas déçu là. Il y a quelque chose dans ce... dans son tank à lui. J'arrive pas à voir où c'est. Là, oula. Ok. Va pas le faire. Ah voilà. Va rééquilibrer le gaz. Que ça soit un peu moins le bordel. Ok, ok. Là, y a de l'huile. Pris un truc là sur le front. Je vais tester de mettre en vrai ça à l'intérieur. C'est quoi ça? Ah, c'est de l'huile. Faut que je mette ça. Faut voir si en mode déséquilibré ça fait quelque chose ou pas. Parce que là c'est pas très équilibré, mais je crois qu'il y a une marge comme m'avait dit Liara.
que ça devrait aller. C'est juste que ça allait gaspiller un peu plus, quoi. Et puis au pire, je peux retransférer dans ma bouteille si jamais ça. Hop. Voilà. Est-ce que ça démarre toujours avec ce niveau de. Ça démarre toujours. C'est parfait. Bon, maintenant, il va falloir réussir à caler la moto là-haut. Ça va pas être. Une partie de plaisir. Je peux attacher ça. Non. Non, je peux pas. Moi je dis au pire on abandonne la moto et on prend ça et on vide tout en vrai. En vrai. Parce que sinon ça va être chiant à transporter. Ouais, ça va être chiant à transporter. La moto elle est trop lourde. Même si j'enlève tout, elle est trop lourde en vrai. Voir. Ah, quoi que. Ouais, mais si je veux. Si je veux la soulever. Si je veux la soulever correctement, oublié, ouais. Alors là, non, c'est impossible. Bah tant pis. On va abandonner la moto et on va garder... on va remettre un petit peu de gaz en vrai. Pour rééquilibrer. Enfin d'abord... Je vais vider le... Lui. Non, le bois pas. Spécitio. Allez, on vide tout. Je pense que c'est la meilleure solution. Ouais. Parce que c'est, en vrai, c'est chiant à transporter une moto. Moi, ce que j'ai peur, c'est dans les montées. Voir comment il va s'en sortir. C'est juste ma crainte. Bon, là, j'ai 40 litres de marge devant moi. En détache. Voilà. Oh, c'est chiant. En fait, il me faudrait une remorque. Enfin, ouais, non. Je vois ce que je veux dire. Mais ça, c'est bien, ça, mais on peut pas le mettre. C'est chiant. Ça, ça aurait été parfait. Mais je suis con, c'est une remorque à voiture, en fait. C'est-à-dire que si je trouve une voiture en bon état et qui roule, je peux la mettre derrière. Attendez. Il y a des choses à faire, en fait, dans le jeu. Après, il y a un truc d'essence en plein milieu. On va chercher à comprendre. C'est une bicyclette, ça. Bon, elle est dans un état. Eh, hey, attendez, en vrai, la bicyclette, par contre, c'est pas con.
si j'ai des roues quelque part de bicyclette, même des roues de voiture, hein, je pense que ça roule. En vrai. En fait, j'essaie d'opti pour éviter plus tard que ça se passe mal. Mais en vrai, j'aurais dû prendre lui. De trucs. En vrai. En vrai, je pense. En vrai, hein. Qu'est-ce qui m'empêche de. Juste prendre lui, en fait. Et comme ça, je peux stocker des trucs à l'arrière. Ah, c'est un vrai truc en van qu'on va faire maintenant. Qui m'empêche de. C'est littéralement la même voiture, sauf que c'est pas le même. Oula. Reste là. Juste pousser. Voilà, pour pouvoir vider ton carburant. Alors. Voilà. Ouais, chef. Ouais, marche bien, hein, cette voiture. On est dans GTA, là. C'est un peu chiant à faire. Non. Oh, fuck. J'ai bloqué la voie. J'ai vraiment bloqué la... Non. Non. Casse-toi, toi. Non, je l'ai pas bloqué, c'est dans la tête. Dans la tête. Si je la pousse de l'intérieur. Je l'ai pas bloqué. Oh si, je sais. Oh, je sais comment je vais la débloquer entièrement. Attendez. J'ai des projets. Voilà. Dégage-toi. J'ai pas de potes, donc vas-y, les sièges, ça sert à rien. Je sais comment je vais la débloquer. Je vais passer par là. Oh, c'est quoi cette musique? Ah, ma playlist est finie. Hop, on va se mettre du Zelda. Ça dure combien de temps ça? 40 minutes, il n'y en a pas une plus longue. Cody Kondo. Pas mal ça. Pourquoi il n'y en a que 5? Il a pas fait que 5 musiques le frérot. Ah là j'en ai là. 39 minutes, je peux pas en avoir un peu plus long? Ah là 1h20. Qu'est-ce qui m'empêche de prendre celle-là de voiture, puisque c'est la même, de juste transférer le carburant à l'intérieur. Hop. Voilà comment on va la sortir. Vraiment, je me casse. Oh non, 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 non. Voilà. Ah. Il y a encore des trucs là-dedans. Putain, il y a encore masse de trucs. Tombe la voiture, tombe. On peut plus. Voilà, comme ça. Reste. Voilà. On va attendre qu'elle se vide. Et ensuite on va transférer le coolant de celle-là là-dedans. Voilà. Et on va la retaper un petit peu parce que les... Le temps qu'elle se vide, on va la retaper. Niveau stockage, ça va être mieux de l'avoir elle. Je pense. Honnêtement. Il n'y a pas une petite brosse? Je crois qu'il y avait une brosse ici. Allez là. Aveugle man. C'est bon, tu t'es vidé? Parfait. Maintenant, on va réactiver le frein à main pour éviter les problèmes. Voilà. Ok. Donc on va la retaper. Il est où mon... Là, voilà. Hop là. On enlève toute cette rouille pas très jolie. Hop. Surtout côté passager. Oh, il est jaune. Oh, c'est joli en jaune. C'est pas dégueu. Oh, ouais. L'arrière. J'ai perdu l'arrière, il est où? Ah, il est là.
là. Voilà. Faut que je le nettoie ici. Ah, par contre, j'ai plus de. Bon, après, est-ce que ça enlève pas la rouille aussi comment je l'attache? C'est où que ça s'attache? Putain. Voilà. Voilà. Bon, par contre, il va en falloir plus. Là, il y a même des éponges. Hop. Parfait. On va bien s'occuper. On va la bichonner, la voiture. Là. On la mettre bien. Après lui avoir retiré ses sièges, on la met bien. Où est mon éponge? Elle est là. Oh, elle va briller, vous allez voir. Ah. Ah, y a plus de. Elle marche plus. Elle marche plus mon éponge. Heureusement il en reste une. Et en vrai c'est joli en jaune, j'aime bien. Ah, il restait qu'une utilisation. Bon, tant pis. Ok, maintenant on va voler des trucs. Genre ça. On va le voler vulgairement. Hop là. Ah oui le... Ouais non, on va aller prendre celui qui est là parce qu'il est en bon état. Pim. Bam. Voilà. Ça, est-ce qu'il y est... Est-ce qu'il y a besoin de le... De faire quelque chose avec ça. J'ai l'impression qu'il ait besoin d'huile. Ah, faut que je le fasse passer en dessous. Ça, on est d'accord. T'as pas besoin d'huile. Si je comprends bien. Oh là là. Oh, on va avoir de la place. On va avoir de la place pour faire des trucs. C'est trop bien. Enfin, pour faire des trucs, pour ranger des trucs plutôt. Ok, maintenant on va remplir. Ce nouveau tank. Hop là. Il est un peu lourd. Mais il y a 40 litres. Ça c'est pas mal. Il y a combien de litres là? Combien de litres il peut accueillir lui? 42 aussi. C'est les mêmes réservoirs. C'est juste qu'il est... Il est pas accessible celui-là. Donc on va bien l'emplir au max. J'ai 40 je crois. On va faire quasiment un plein complet. Ça c'est pas beau. Wow. Bon, ça met un peu de temps, ne vous inquiétez pas. On va gérer. Hop. Bientôt les 40 litres. Et donc là normalement... Voilà, elle s'allume. Parfait. Bon, on va attendre la nuit, enfin le jour. On va passer la nuit, pardon. Je vais y arriver. On passe la nuit. On récolte un peu tout ce qu'on n'a pas utilisé. Et en vrai, je vais peut-être même stocker des bidons. Ça peut toujours servir de stocker des bidons. Dommage que je puisse pas la soulever et la mettre à l'arrière. Mais bon. On va l'abandonner cette moto. Elle nous aura bien servi, elle nous aura bien aidé.
On va aller voir un petit peu ce qu'il y a côté boîte. Parce qu'il y a beaucoup de boîtes. Donc si je peux avoir des trucs en plus. Il y a quoi dans celle-là? Un revolver. Pacifiste, moi. Je suis rien. Il y a quoi là-dedans? Du gaz, c'est cool. Ah bon, on va pouvoir se faire un litre complet. Enfin... J'ai rien dit. Pas de litre complet. Wouah, flashbang, direct. Ouf. Enfin, j'ai pas pris de dégâts. Wouah. Hop. On va pouvoir finir de nettoyer notre voiture. Ok, ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a rien qui m'intéresse. En vrai, peut-être refaire les jantes, par contre. Quoi? Neuf. La nettoyer au max. Voilà, là elle est bien là. Oh, elle brille en plus. Elle est trop belle notre voiture. Ok, parfait. Donc maintenant on va stocker des trucs. On va ouvrir ça, on va mettre la bicyclette au fond. Il faudrait peut-être des roues. Est-ce qu'il y a des roues? En vrai je trouverai sûrement des roues de bicyclette. Je vais juste la mettre en état comme ça. Hop. Je pense que la mettre sur le côté, c'est pas mal. Entre. Voilà. Oh putain. Oh la galère. On dirait qu'elle a une roue. Alors qu'elle a pas de roue. Est-ce qu'elle est. Est-ce qu'elle est con... Est-ce que le jeu considère. Eh au pire, Nick. Absent de bicyclette. En vrai. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je garde pas dans cette voiture? Ça peut stocker 20 litres, je crois. Donc on va en prendre de ça. On va les stocker comme ça. Bam. Ça peut stocker 20 litres, donc c'est vraiment pas mal si on veut avoir pas mal de carburant. Les autres, c'est 3 litres, donc c'est pas ouf. Alors que là... Je peux avoir au moins 60 litres déjà. Ce qui est pas mal. Niveau roue. Alors la jante elle est dégueulasse par contre. En vrai j'ai même pas besoin de changer la jante. Ah c'est des petits pneus. Bon, celui-là il est... Ouah, il est... Lui il est vraiment... Waouh. Lui il est... Lui il est mort lui. Ça, c'est un peu trop gros. On va voler... On va voler les jolies roues de ce camion. On l'a un peu mieux. Voilà. Celle-là, ça va. Celle-là, elle est morte. Hop. 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 Oh, c'est un vrai jeu de gestion, là. On est en train de réparer chaque petite pièce. Je vais voir s'il n'y a pas un pneu en meilleur état. Celui-là il est gros de pneus. Ce pneu là ça a l'air d'aller. Ah non il est un peu pourri. Par contre cette jante en vrai. Ouais. Comme ça on aura un pneu de meilleure qualité. Par contre je vais mettre des pneus aussi à l'arrière. Comme ça y a pas de problème. On va juste changer la jante. Et on va aussi changer le pneu. Il n'y en a pas une meilleure qualité? Un tout petit peu. Voilà celui-là. Lui de bonne qualité lui. Hop. Voilà. Hop. Boum. C'est good, on a des jolis pneus. On va essayer de conserver ceux qui sont dans le meilleur état. Genre celui-là ça a l'air d'aller. Avec une jolie jante. Boum. Enfin une jolie. Une en état, on va dire. En vrai je devrais mettre les... Hop, rentre dans... Voilà. Je devrais mettre ça ici. Hop. C'est... Ça y est, c'est le vrai road trip là. On a notre van qu'on est en train d'aménager à l'intérieur.
Hop. Voilà. En vrai, ça peut servir à stocker aussi, hein. Un fuel tank. Bon, il faut peut-être le remettre en état, par contre. Il est pas très propre là. Bon, après, ça sert pour que pour stocker, donc en vrai, ça va. C'est pas grave s'il est en état. Et je pourrais aussi stocker des gros bidons de qui font 80 litres là. Ça va être pas mal ça aussi. Je peux mettre ça là. Bam. On va remettre les petits bouchons là. Je sais pas quoi ça sert mais... Oh, ça sert à... Pour la... Pour les roues. Wow, wow. Pour pas qu'elle s'en aille. Voilà, donc ça c'est good. Celui-là il est dans un bon état, on va le mettre à l'arrière. On va les mettre ici les pneus. Hop. On peut en stocker pas mal en plus. Hop. Voilà. Deux pneus de secours, plein de litres de carburant. Et ben je pense qu'on est parti en vrai. Je pense qu'on est parti. Ça, cette roue, elle est pas en mauvais état. On va la prendre aussi. Hop. On ferme notre van. Et puis on est parti sur la route cette fois-ci. Ça y est. Mais cette fois-ci, bien équipé. Avec un gros van jaune. Allez, c'est parti. Attendez, petit rétro. Voilà. Il y a les vides qui se. Wow, wow, wow. À l'intérieur, il est pas très propre, mais ok. Allez, c'est parti. On part en van cette fois-ci. Ah, bah là, on va bien s'amuser en vrai. Ouais. On a enfin une voiture qui va compter les kilomètres aussi d'ailleurs. Genre là on a fait 50 mètres. Ça me rassure pas trop ce bruit. J'ai bien fermé tous les trucs. C'est fermé. Ça aussi. Non, je pense que c'est juste que c'est une vieille voiture. Je crois qu'elle fait du bruit. C'est comme ça. Je pense que c'est juste une vieille voiture. Je peux me mettre à un peu plus bas la hauteur. C'est quoi ça? On a les lights. Normalement, on n'a aucun voyant qui s'affiche au rouge. Ça a l'air d'aller bien pour l'instant. J'espère que ça va durer. What the fuck le van? Ah ouais, je t'explique ce qui s'est passé Zuki. On est arrivé à une station essence. Il y avait deux vannes. Il y avait un van où je pouvais avoir une big remorque. Et ce van là. Au départ je voulais mettre ma moto sur le van pour être tranquille. Et avoir un double truc. Et en fait au final j'ai pris celui là parce que bah déjà je peux stocker à l'arrière plus facilement. C'est trop bien le van, mais oui. Ça y est, on est vraiment dans un road trip là, ça y est. C'est le road trip ultime, le vrai cette fois. J'ai fait les bons mélanges,
Ça a pas l'air de consommer beaucoup. Là on est parti hein. Ça va rouler tranquille. J'ai désactivé l'autosave pour éviter que ma partie finisse, mon van finisse dans les ténèbres. La voiture de luxe est cool mais niveau place. En vrai elle avait un grand coffre. On pouvait stocker un bon bidon si on voulait. Et puis elle consommait que du gasoil. Mais là on est bien là. Au départ je voulais stocker une petite bicyclette à l'arrière mais vas-y ça rentrait pas. Je vais faire une sauvegarde. J'ai oublié de sauvegarder. Pour la remorque avec. Ah, j'aurais bien aimé avoir une remorque, malheureusement je vois qu'il n'y a pas de remorque à l'arrière. En fait, ce qui me fait le plus peur, c'est dans les pentes. Comment ça va gérer? Après, elle a l'air d'être assez solide. On verra. Dommage, je peux pas custom ma plaque d'immatriculation. J'ai mis une dingue là. Genre. Toby Playa. Ouais. Ah, c'est nul. Oula. Les pare-soleil qui partout sauf le soleil là. Ah, j'espère que ça va être solide dans les montées. Hein. J'espère qu'il y a les 4 roues motrices là. Hein. On est à 100 km/h. Je sais pas combien de kilomètres on a parcouru à pied, mais je pense qu'on est à 4000, peut-être 4200, 4300, je dirais. Non, je pense qu'on a pas fait autant de kilomètres en vrai. Là, tout à l'heure, j'ai vu, je suis à 4173. On n'a pas beaucoup roulé aujourd'hui pour l'instant. On a surtout fait de l'opti. Ça va combien dans les montées ? À 50 à peu près. 50. A l'air d'être plutôt correct. Wow. Wow. C'est une voiture tranquille ou ouais. Ah, ça perd de l'énergie. Allez. Allez. Ah, c'est qu'il y a des pentes, elles sont encore plus pentues que ça. Hein. Là, c'est une petite pente. Hein. Allez, le moteur, on croit en toi. Allez, vas-y, mon gars. En plus, je peux pas le changer, le moteur, hein, de ce que j'ai vu. Ah, si, peut-être, en vrai. Va falloir la faire tenir, hein, celle-là. Parce que j'ai pas pu stocker d'autres moyens de locomotion. Donc, peut-être, à moins de trouver une petite bicyclette, j'essaierai de remettre une dans le coffre. Et bon, on est plus trop en pente. C'est cool, on peut voir l'arrière et tout. C'est trop bien. J'adore les vannes comme ça. Au départ, il y avait des sièges dans les vannes. Je m'imaginais un truc à 10 joueurs là. Le bordel. Dommage que le multi soit pas opti du tout. Si un jour il y a un multi, je vais ramener des gens. Un multi qui fonctionne bien et peut-être le jeu amélioré quand même. Vous imaginez les relais? Alors on se relaie. Tout le monde fait sa petite, son petit bout de chemin. Toutes les 30 minutes, c'est quelqu'un de nouveau qui... Juste la vraie vie. La vraie vie en multi, oula, bizarre. Ça rampe. Surtout qu'il n'y a que May qui a le permis. Attendez, mais pour ce genre de voiture, faut le permis poids lourd ou permis normal?
Quand même un... Après poids lourd, oh, c'est peut-être pas si poids lourd que ça en a l'air, je pense. Faut demander à May, si elle s'y connaît. May, si tu passes par là. Normalement quand t'es solidaire et que tu fais ce voyage, tu relais le volant. Ouais j'avoue parce que... Ça doit être... Oh, on va pouvoir... Oh là là. Ça m'étonnerait, c'est loin d'être un poids lourd. Peut-être que celui qu'on a croisé là, c'était peut-être un poids lourd par contre. Un bus c'est un poids lourd non? Ou alors c'est un permis tout autre. On active les phares. Non. Ouais, phare. Les bus c'est autre chose. Comment on active les phares? Ouais, phare. J'ai des phares? Ouais, j'ai des phares. C'est quoi la touche pour les phares? Light. Voilà. Il y avait un... Je l'ai passé? Il y avait un... Attendez. Il y avait un bateau. Je crois que je l'ai passé. Ah non. Il est où? Ah il est là. On va aller le voir le bateau. Il redémarre bien. Ah oui, il y a une pente hein, il va falloir s'accrocher. On va aller au bateau et on va stocker dans notre coffre des dingueries là. On va stocker du carburant en masse. Comme ça s'il y a un gros accident, la voiture explose. Ouais j'ai des projets ouais. Et mais en vrai ça se traîne pas non plus le cul hein. C'est pas mal hein. Niveau vitesse, c'est pas dégueu hein. Je vais pouvoir monter là-dedans. Ça me paraît compliqué. Je vais faire confiance au jeu on va dire. Ok, j'ai bien fait de faire confiance. Ok, il me faut de l'huile et du gaz. Je fasse des mélanges. D'huile et de gaz. Et si je peux avoir de l'eau. Hop là, de l'huile. Déjà, on a notre bidon d'huile. Boum. Ça en est où d'ailleurs? Quoi ça? Ça a même pas consommé. L'huile. Enfin l'eau. What the fuck. Et là, là ça a rien consommé aussi. OMG, trop bien. Ah, elle consomme zéro cette voiture. Gaz, huile et c'est la bonne. Oh, let's go. Let's go. Le van écologique, j'avoue. Et pourtant, à mon avis, IRL. Ça doit pas être très écolo ce genre de van. Et combien de litres? 31. Ok. Putain, on est bien là. On est bien. Oh, je suis bien. Là, il y a beaucoup trop d'huile. Il faudrait plus du gaz que de l'huile. Je suis bien. Là, il n'y a rien. Rien. Ah, du gaz. Parfait. C'est, normalement, le barème normal, c'est 95,5. Mais il y a une marge. Comme nous l'a expliqué Liara. Atteignons cette marge. Putain c'est beau tout le carburant qu'on a, c'est beau. C'est beau putain. On va faire ça. Il y a que 4 litres. Parce qu'il faut, en fait faut que j'arrive à le soulever hein, à la fin le... J'arrive à le soulever dans... Ok, je peux encore le soulever.
Donc là, celui-là, il est parfait de bidon. Quasiment parfait. Mais il est déjà plus que parfait. Un dîner presque plus que parfait. Donc là, on a de l'huile. Il faut que je voie si j'ai encore du gaz en vrai pour faire un deuxième bidon. Si je peux en avoir un d'eau aussi, ce serait pas mal. Mais j'en demande peut-être un peu trop. Diesel. Empty. Fameux empty. Empty. De l'huile, beaucoup trop d'huile. Empty. Bon. Écoutez, c'est pas grave, on a un bon bidon de 50, une cinquantaine de litres. Donc, on va pas se plaindre. Allez. Allez hop. Oh, j'ai une idée. T'aimes pas le parmesan? Je vais garder ça, comme ça je pourrais stocker de l'eau. Avec. Hop là. T'as le droit de pas aimer le parmesan. Je pense qu'on va te juger, hein. Certains vont te juger. Moi je juge absolument pas ceux qui aiment pas le fromage. Parce que je suis un peu dans cette team pour certains fromages. Pas tous, mais la plupart en vrai. Je suis dans cette team. Je suis dans votre team. Hein. Alors que le fromage qui rit. Moi j'aime bien le cheddar, mais le cheddar bien. Le cheddar cosmique là, bien le cheddar. Bien le cheddar pas naturel. J'aime bien ça. Bien le cheddar pas naturel dans des burgers sauce magma. Le cheddar galaxy. Exactement, Tsuki. Le bon cheddar galaxy. C'est dans les burgers un peu surgelés et tout. Ou les burgers frais. Genre les charal ou quoi. Avec la sauce magma. Ça, j'aime bien ça. Je mange zéro ça, mais je vois à peu près. Tu sais pas ce qu'il y a dans ce cheddar. Mais il y a. Sinon, des fois, il y a des petits paquets où ils mettent plein de fromage. Enfin, plein de fromage, plein de cheddar en petites tranches très fines. Ça, c'est. Bah, je pense que si tu manges le papier plastique autour, je pense que c'est aussi bon que le vrai cheddar qu'il y a à l'intérieur. Enfin, le vrai. Le cheddar qu'il y a à l'intérieur. C'est aussi bon pour la santé, je pense. Ah, je te jure. J'en avais marre, ça me bloquait ma vision. M'a déjà jugé de pas manger de fromage en Angleterre. Ok, les Anglais. On va parler de leur plat aux Anglais là. Ça va vite les calmer, je pense. Parce qu'il y a des trucs à dire aussi, hein. Oh là, je vais où là? C'est un Français qui tenait un stand de fromage à Noël dans une petite ville. Il va se calmer le frérot. Banger Noël en Angleterre. Ça doit être trop beau. Ouais. Ouais. Il manque celui-là, mais il est loin. C'était à Chester, c'était trop mimi la ville. Moi j'aime bien les architectures anciennes de Londres. Genre dans les années 20, je crois. Ou alors, vous voyez Assassin's Creed? Ce genre d'architecture avec les habits là, pa. J'aime bien. T'avais ce style, mais la mini-ville, c'est trop bien. Ça doit être encore mieux. Coucou Penguin. Penguin. Comment ça va? J'espère que tu vas bien.
Bienvenue sur ce live où le van va vite, mais le Towi est lent. Oh, can you speak English? Je parle pas. Je parle pas brésilien, désolé. I don't speak Brazilian. I don't know. How are you? We speak baguette or c'est quoi l'anglais leur truc? We speak baguette. C'est pas une langue brésilienne. Oui, non mais voilà. J'ai réussi à me faire comprendre. C'est vrai, dans ma tête, je... Good? Ok, nice. We're playing The Long Drive. It's a road trip game. It was a donation goal for an event. And I have to drive like 5000 kilometers. Ah là, il y a un big... Big camion. Un peu de gaz. Un peu de gaz dans votre gaz là. Je crois que je disais c'est du gaz, mais c'est du gaz val. Bye Penguin. Quand c'est des petites trucs comme ça, je refill. Ouah, ça doit être trop bien à conduire ça. Après, dans les montées, ça doit être infernal. En fait, le problème de ça, c'est que c'est bien, mais on peut pas monter en fait. Y a pas moyen de monter. Du coup, c'est un peu con. C'est si poli de dire bye en partant. C'est vrai. Ah, écoute. Nous, on apprécie la politesse ici. C'est quoi ça? C'est un morceau de viande. C'est de la viande? Ok, c'est de la viande. Je vais en conclure que c'est de la viande. Je veux pas savoir quel genre de viande, mais... Je vais en conclure que c'était de la viande. Oh, il a un gigatank lui. 100% diesel, tu m'étonnes. Ça tourne ça. Attendez, vous croyez il marche? Ça m'a l'air de marcher. Je sais pas dans quel univers, mais ça m'a l'air de marcher. Ça saoule ça par contre. Déjà pour rentrer à l'intérieur. Il marche. Oh lol, ça marche. Je vous le dis tout de suite, hein. En vrai, si c'est incroyable comme... C'est pire que le van. En vrai, si on avait accès à ça plus facilement, je vous jure, on aurait pris ça en vrai. Le problème, c'est que... Je sais pas comment il... Il y a peut-être un truc à activer. Ah, il y a rien. Hein. Je pense techniquement, faudrait qu'il ramène ça et qu'on fasse double jump là-dessus. Mais ouais. Après, moi, je préfère le petit van en vrai. Je préfère le petit van. Par contre, je veux bien prendre l'eau qu'il y a là-dedans et m'en servir pour refill ma propre eau. Pourquoi ça utilise rien? C'est un peu suspect, non? Ouais. Ça utilise rien? Je vais faire comme si tout allait bien. Hein? Vole le moteur. Attends. Il est où le moteur? Ça le moteur? Putain, la taille du truc. Ouf! Ouf! Ouais, pour le sortir. Non, je pense que. Ça, je peux. D'accord. Mais genre si je fais ça. Wouh! Incroyable. Il s'est accroché le moteur. J'avoue. Ok. Bon, ça c'est fermé. Ça on l'a pas ouvert, c'est bon. Ok, on repart. Allez. Et c'est parti.
On part dans notre jolie van. Notre jolie van. Voilà. La sale van. Moi j'aime bien le van tout jaune comme ça. Voilà, en vrai. Dans le jeu, ouais, mais je pense dans la vraie vie, un van tout jaune comme ça, c'est encore plus bizarre qu'un van blanc. Par contre, il y a vraiment des fous dans ce monde, c'est les gens qui achètent un van pour faire un road trip en été, un van noir. Vous voulez mourir en fait? La chaleur à l'intérieur, ça doit être... Moi, je pense que personne de censé fait ça, hein, mais... Moi, ce que j'adore regarder, c'est les... Les mecs qui achètent un van pour dodo dedans et faire un road trip. Bon, c'est trop bien, ça. Moi j'adore les vidéos où ils prennent des vans ou des gros camping-cars et ils refont un intérieur dedans. C'est trop bien. Je peux m'en taper des milliers de vidéos comme ça. Calme quand c'est en vanne. Regardez, c'est cool, mais le faire, c'est plus compliqué à faire. À faire, c'est compliqué. Hein. Faut un van déjà. Il faut avoir beaucoup d'argent, je pense aussi. Même avec de la récup, je pense que ça reste très cher, je pense. Après, avec de la récup, pas sûr du résultat. Et ouais. Par contre, ça serait fou que The Long Drive, ça se... Ça... Les devs, ils l'améliorent, améliorent. Et qu'à la fin, t'as un camping-car. Genre... Un camping-car et tu peux vraiment custom l'intérieur et tout. Ça serait incroyable, je pense. Tu fais un mix de... De ça et du jeu là, House Flipper, c'est Tsuki, que tu peux customiser vraiment la maison de fond en comble. Yep, imagine ça dans un sorte de camping-car mélangé avec un The Long Drive comme ça. Ça serait fou. Tu customises l'intérieur de ton camping-car et ensuite tu pars en road trip. Et sur le chemin, bah t'as des parties que tu peux faire. Viens, on fait le jeu. On crée le jeu. Alors, comment savoir ce que tu veux dire? C'est tous les deux où ça mène, ça. C'est tous les deux que ça va juste regarder des vidéos de construction de van plutôt que de faire un jeu. C'est bien les descentes, il n'y a pas de bruit de moteur, ça descend juste. La musique est pas trop forte, ça va?
Pas du tout, c'est parfait. Ok. Hop, une petite station essence. On vérifie le carburant. L'eau, je sais pas où elle va, mais elle y va. Il y a un mec chelou. Parle pas de moi. Même si, attention, ça peut être bizarre aussi. Ah, il est mort comme ça, d'accord. Je suis en train de me dire, mais pourquoi il est encore en vie? Parce qu'il est tombé sur la palette. Ça acceptait pas que ma palette elle, soit normale sur le truc, mais par contre que le mob il... Hein, voilà. J'ai abandonné. Give up la logique. Allez, on est reparti, mesdames et messieurs. Petite sauvegarde, évidemment. J'ai failli oublier. Je pense que je sauvegardais à chaque... Est-ce que vous voulez que je mette un truc de point de chaîne, genre sauvegarde, en vrai? Pour ça, je ne serais pas le seul à penser aux sauvegardes. Moi j'y penserai, peut-être. Ça marche pour tous les jeux, c'est vrai. Enfin presque. Sur Elden Ring c'est... Ah non, en vrai non, c'est bon. Avant je crois sur les jeux FromSoft tu pouvais sauvegarder qu'au feu de camp. Mais dans Elden Ring tu peux sauvegarder n'importe où. Ça sauvegarde tout seul, ouais. Ou alors peut-être que avant ça... Parce que j'ai joué à Dark Souls, mais je me rappelle pas si tous les lives je reprenais au feu de camp. Peut-être que ça te renvoie au feu de camp. Je sais pas. Enfin, je sais que souvent Dark Souls, je me cassais les dents dessus, j'en avais marre. Mais là, à force de rejouer Elden Ring et de devenir un peu meilleur au jeu, ça m'a redonné envie de tester Dark Souls. De retenter l'aventure et d'aller jusqu'au bout peut-être. Parce que je me dis, vu que les gens ils disent entre guillemets que Elden Ring c'est le plus facile, ça fait un bon entraînement pour le reste. Est-ce qu'on s'arrête? On s'arrête pas, ouais. C'est pour les noobs Elden Ring. Ah ouais, hein. On a vu ça hier, Tsuki. Hein. Contre le troll et l'avatar là. L'avatar de l'Avremonde. Et demain, on va voir ça encore plus. Hein. Demain, Raya Lucaria. Hein. On l'a démarré, j'entends rien. Au bout de combien d'essais? De toute façon, c'est pas le nombre d'essais qui compte, c'est le fait de l'avoir vaincu, je pense. Voilà, exactement.
On peut remercier la hallebarde qu'on a looté, hein, parce que... Sinon, ça allait prendre un peu plus de temps. Pam pam. Envie de me saigner Elden Ring. Tu vois le jeu à quel point il est il est addictif ce jeu. Trop contente de réussir à battre un ourson au bout de 3 heures. C'est ça en fait, c'est t'as ta dose de... Comment on appelle ça? Le truc du plaisir. T'as ta dose de... Quand tu bats un boss. Dose de... Je sais pas. J'ai oublié. Ta dose de plaisir, on va dire. De satisfaction. Dopamine, voilà. T'as ta dose de dopamine quand tu réussis à battre un boss. Elle est folle. Ça roule bien, là. On aime bien. On est parti pour des heures et des heures de roulage, là. Je pense que ça arrêtera vers 19-20 heures. Entre les deux. Ça, on est tranquille. Maintenant qu'on a un moyen de locomotion. Qui est plutôt rapide, hein. Malgré la taille et tout. Une petite structure, je vois. On va commencer à ralentir. Ce qui est bien, c'est qu'il va pas trop vite. Du coup, je perds moins le contrôle. Enfin, je perds pas le contrôle facilement. Petite structure. Ouais, c'est juste un petit arrêt de bus. Moi, j'ai hâte de voir ce que les devs ils nous réservent. Vu qu'ils ont donné un petit peu signe de vie.
Ok, là ça. Là ça grimpe un peu. Allez, tiens le coup, mon van là. Allez. Allez, mon gars, pousse. Allez. Ouais. Là-bas, il y a une petite montée encore. Mais c'est bon. Et il gère, hein, même dans les montées. Hein. Alors celle-là, elle était un peu raide. Le lapin, est-ce qu'il veut? Et on a tué aucun lapin pour l'instant. Taré. Ah, il y a un cannibale. Hop, petit rompiche. Et on est reparti. Faire une sauvegarde. Hop, save. On est à combien? 1212. Enfin, ça avance, c'est beau. J'aime ce que je vois. J'aime bien.
Pam, 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 pam. Ça a l'air raide là. Allez mon gars. Allez mon gars. Perdre la vitesse, non. Il appuie sur shift pour booster là. Attends, ça marche. Non, c'est juste que... Je dis attends, j'appuie sur shift, ça commence à remonter niveau... Et une pierre tombale. Caillou. Le ciel il est bien, bien bleu. Cette structure là-bas. Ah, ça doit être un magasin. Enfin. Un diner. C'est, aux États-Unis, ils appellent ça des diners, non? Au bord de la route, comme ça. Wouhou! Vitesse max. Reste au bord de la route. Enfin, les réseaux d'air d'autoroute. Plutôt. J'avoue, les restos au bord de la route. Des diners, non? Comme ça. Ah, une petite voiture. J'aimerais tellement avoir un bus. Yep, let's go. Et de quel côté le moteur? Je vais le siphonner vite fait là. Voir ce qu'il y a dedans. Ah. Il y a de l'eau. Pas ouf. Oh! Tiens, tiens, tiens. Ah, lui il s'ouvre. Ah, vas-y, j'ai envie que ça s'ouvre comme ça, moi. C'est plus sympa, je trouve. Les portes coulissantes. Ah, mais ça sera peut-être pas de la même couleur. Ok, on oublie. Les points de style maintenant. On a tellement de ressources que maintenant c'est les points de style.
C'est de pas. Ouais. Faire attention. Voilà, c'est ça que je veux. Ouais, 40 litres de diesel là-dedans. C'est pas mal. C'est une moto ça? Non, c'est une bicyclette. Le bon mélange et plaisir. Hop. Oh, on est bien, on est bien. J'aime ce qui se passe. Ah merde. Voiturette là. GSM. En quelle couleur vous aimeriez le voir le van? Rouge. Ok, si on trouve de la peinture rouge. Quoi c'est comme peinture? De la peinture noire c'est? Noir avec des portières rouges. Ça pète non? Pas du rouge. Oh! On se fait une voiture Persona 5 ou quoi? Attendez. Le van de gamer. Attendez, on va faire le van de gamer. On va faire les portières rouges. Pour l'instant, on dirait un truc McDonald's. Mais attendez. Ok. Voilà. Y'a quoi d'autre comme couleur? C'est du rouge ça? Non, c'est du rose. Oh, le van full rose là. Mmh, miam miam miam. Horrible. Oh oui. C'est Mona. C'est Mona en version van. Oh non merde, j'en ai mis sur la portière. Vous vous rappelez quand je disais ouais les vannes noires en été? Eh. Eh. En vrai il tue. Oh il tue notre van. Attendez, je suis pas rentré là-dedans s'il y avait des trucs. Il tue de fou. Plus de rouge à certains endroits. Ouais, je peux pas mettre plus de rouge. Je peux pas mettre plus de rouge. Et surtout, j'ai plus de peinture rouge. Je peux pas mettre plus de rouge. Il y a que les portières et. Parce que sinon, le reste, c'est directement. C'est la carcasse, quoi. À moins qu'ici, il y a un capot. Non, il y a pas de capot. Ça, je peux pas le peindre, je crois. Il y a une partie orange. Ah oui, ouais. Et je vois laquelle de portière tu parles, il faut que je trouve une boîte de peinture orange. Rouge, pardon. Pire, on regarde pas cet endroit pour l'instant.
On va aller laver notre truc. Il y a un frigo là. Bam. Il y a rien dans ce frigo. J'ai envie de mettre un frigo dans mon van. Juste pour la van. Ça gaspille toujours pas. Ah si, ça a commencé à gaspiller un peu d'eau. Ah ouais, ça a mis un peu de temps quoi. On va dire. Toi là. On va avoir besoin de toi. Parce qu'on va te remplir d'eau mon gars. T'es pas prêt. Ah il me faut un intermédiaire entre ça et ça. Je peux pas directement verser. Ah quoi que. Non, je peux pas. Il va me falloir un bidon. Alors ça. Mais ça, c'est que 3 litres, ça va être chiant. Ouais. C'est pas un 20 litres là. Une noire, ça aussi. Ah, 20 litres qui traîne. Le cercueil, y a pas. Pète un plomb. Ah, des ballons de foot. Je fais flashbang par contre. Hein. Mais je suis con, j'en ai ramené un tout à l'heure de... Le truc de 20 litres là, viens là. Tiens, viens là, viens là. Ah. Oh, c'est chiant. Oh, c'est chiant. Allez. Faire comme si on n'avait rien vu. De toute façon, ça dure longtemps l'eau. De ce que je comprends. Donc tant mieux. Vous allez voir, on va plus trouver d'eau jusqu'à... Jusqu'à 20 000 km là. Ça fait ah bon. Tu te rappelles quand t'avais dit que t'avais pas besoin de nous? Nah. Le jeu va s'en rappeler, pas moi. Ça va être terrible. Allez, je vais faire une petite sauvegarde. Save. On est à 1220 km. Eh. Pas mal, hein? Pas mal, non? Le français. Pam, pam, pam. Il y a plein de petits... Ça s'appelle ça déjà? Et les petits trucs dans le désert. Les feuilles mortes là qui se baladent. En vrai, j'aurais peut-être dû faire le van rouge et les portières noires. Peut-être ça aurait mieux rendu. Ou peut-être j'aurais dû enlever la couleur et mettre du noir sur la portière au milieu. Ça aurait fait plus stylé, je pense. Il n'y a pas des deux côtés de portière. Je pense que si on retrouve un truc de peinture noire, je mettrai sur ça. On va faire un petit dodo là. Là, il n'y a pas de ceinture de sécurité maintenant que je viens de capter. Ce serait drôle que dans le futur jeu, hein, la version améliorée, on va dire,
si tu t'attaches pas, ton perso il vole à travers la fenêtre. Ça brise le pare-brise. Oh, j'ai envie de ça. Ça a moins. La chaleur qu'il doit avoir dans ce van doit être terrible. D'accord, on n'est pas dans une zone désertique là, on est dans une zone un peu verte. Non, il y a plein de feuilles, mais si on active les feuilles, le PC il va comme ça. Donc on va le laisser tranquille pour l'instant. Quand même stylé. C'est un peu gris finalement, plus que noir j'ai l'impression. Mais en vrai ça passe. Et c'est la portière de là qu'il faudrait arranger. C'est tout. En vrai celle de derrière aussi elle est un peu... En fait, j'ai l'impression que c'est un peu orange partout hein, finalement. C'est vrai qu'on trouve du rouge un peu plus vénère. Avant que ce soit le soleil qui fasse cet effet. Je ne sais pas. Juste que fallait maxer la peinture rouge vu que c'était jaune de base. Ah j'avoue. Bah écoute, si on retrouve de la peinture rouge à des endroits, on remettra une petite couche, comme ça on est bien. Ah, ça fait plaisir de rouler sans que la moto elle flanche et tout. Il y a plus d'auto-save. Là, c'est juste du chill. En fait j'aurais dû, ouais, comme tu dis, maxer la peinture sur au moins les deux... Alors, j'aurais dû faire 50-50 sur les deux portières de devant. Normalement on en retrouvera de la peinture de toute façon. Thank you.
Bah ça c'est une structure où il y a rien, on a vu la dernière fois. Ah par contre, il y a un petit entrepôt. Ah les entrepôts, il peut y avoir pas mal de trucs sympas. Wow. Ah, j'ai roulé sur une jambe. C'est vrai que ça fait orange. On va régler ça. Y'a quoi là-dedans? Est-ce qu'il y aurait pas de l'eau? Gaz, huile. Oh, en bonne quantité. Oh là 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 là, je vais péter mon crâne. C'est lourd. C'est lourd, mais ça vaut le coup. On va mettre ça là-dedans. Et hop là. On a trois. C'est-à-dire, on a lui. Et on a encore genre deux bidons qui peuvent nous faire des pleins complets. Voilà. J'en suis à ce level pour l'instant dans The Long Drive. C'est. Limite, on a de quoi finir le jeu là, techniquement. Enfin, je sais pas en vrai. Je pense pas, honnêtement. Mais je veux dire, on est tranquille pour un bon moment si on fait attention. Le temps qu'il est. Voyez encore. Le temps qu'il est tanké là. Il y a un peu d'huile là. Là, il y a beaucoup d'huile. Moi, j'aimerais bien de l'eau. En vrai, pour l'instant, ça va. Là. On est tranquille. Là, il y a un peu d'eau. Là je prends la confiance parce que j'ai beaucoup de trucs et tout, mais je vous jure qu'à un moment il va avoir un karma. Ce jeu il est rempli de karma. À un moment il va se passer des trucs qu'on va pas pouvoir prévoir. Autour de la luge. À un moment, il va se passer un truc qu'on va pas prévoir et ça va partir en steak, je pense. Je connais, j'ai beaucoup d'heures de jeu, j'ai l'expérience. Et qu'à un moment, ça va se rééquilibrer. Ce moment-là, on va pleurer. Donc profitons pour l'instant, on va dire, de nos moments de répit. Je l'ai vu le petit caillou là. C'est bientôt la fin du stream. Vous savez ce qu'on va mettre comme musique à la fin des streams de Long Drive. C'est notre moment donné. J'aimerais bien un petit takeover là avant de mettre la musique. Qui peut tout changer. La musique qui va nous faire aller vite, plus vite que la lumière. Parce que mon Spotify.
Takeover. Bon, maintenant... Oh, j'ai eu peur. Si c'est quoi cette musique, je connais pas. Ah, c'est Milly. Case. Ouais. Voilà. Moi, je veux ça, moi. Voilà, là, on est bien. Param, 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 param. Yeah.
quelle musique de fou quand même. Voilà. Et à la fin de la musique en plus. Ça c'est pas beau. C'est bien timé. Il y a même une petite voiture. On va juste éliminer le gars. Et ensuite on va s'arrêter là. Vas-y viens. Voilà. Sacré bordel. Chouing chouing. Bam bam. J'ai gagné. J'ai gagné la bagarre. Parfait. Bon, mesdames et messieurs, j'espère que le stream vous aura plu. On va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé le live. Et puis, on se dit à demain pour Elden Ring avec Tsuki. Voilà, ça va être du beau jeu et beaucoup de rage sûrement. Hop, je me remets dans ma voiture. Bye bye tout le monde, à demain.